vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à Sapel Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table justement, nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je crois que c'est jeudi ou c'est vendredi? Vendredi, hein? Aujourd'hui c'est vendredi, Mr. Jason? Ok. Aujourd'hui c'est vendredi, Friday. Aujourd'hui c'est Friday. Nous voulons donc vous souhaiter un très très bon début de week-end, c'est donc le samedi, que ce week-end soit le plus heureux pour vous tous. Nakinchasa Baoma Loba, bruit, vous serez dans les bruits, si vous serez dans les bruits, c'est à vous de voir, mais je vous appelle seulement à faire des bruits responsables. Bimanakcha, c'est que ça rien, mon. Et où tu es, Marambo, je suis dans les bruits. Et comme chaque vendredi, chaque samedi, ne me cherchez pas, je suis dans les bruits. Ne me cherchez pas, je suis dans les bruits. Ne me cherchez pas, je suis dans les bruits. Donc, si vous serez dans les bruits, c'est un choix. C'est un choix. Je veux seulement que vous ne perdiez pas la responsabilité tout en étant dans les bruits. Soyez donc responsables. C'est pas mal de temps en temps d'exploser, d'essayer de charger de la charge du travail, de la charge horaire de toute une semaine, quand on a le temps de pouvoir se reposer, de pouvoir exploser un peu pour oublier les tralala, les train-train de la vie. Il ne faut pas voir saisir ce genre d'occasion-là pour se faire du bien. Moi, tout ce que je vous demande, c'est tout simplement d'être responsable. Au mili masanga, kozwa volonté. Ce kozwa volant, mela-moi vers moro, mela-moi vers ndam. Au langwe, calmement. Donc le bruit ne vous emmène pas dans la merde, si je peux le dire comme ça. Donc je suis très heureux, je voulais vraiment vous exprimer ma gratitude et vous dire très sincèrement merci. Merci pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci pour vos messages, merci pour vos remarques, merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. J'ai dit à mes équipes, quand on est devant des difficultés, parce que bon, il y en a quand même des difficultés, la vie d'un homme est jonchée des difficultés, des obstacles qu'il faut absolument vaincre. On travaille nuit et jour. Alors j'ai dit souvent à mes équipes, quand ils sont un peu fatigués, quand ils se disent par rapport à ça ou par rapport à telle chose, j'ai dit, mais non, attendez, regardez ces milliers de Congolais qui vous regardent, ou des téléspectateurs. Parce que vous n'êtes pas seulement regardé par des Congolais, les Africains qui vous regardent, des gens qui arrêtent leur sommeil. Par exemple, il y a des émissions comme à l'OCPL, quand je l'ai fait ici à 20h, heure de Kinshasa, peut-être qu'ailleurs il est 3h du matin, il est 2h du matin. Moi, j'entends les téléspectateurs m'appeler pour me dire « Naouti Moussala, na Hollande, dans la voiture ». Donc, les gens qui vous font comme ça confiance, vous êtes dans l'obligation de mouiller les maillots, comme on dit, de s'arracher pour n'a qu'au servir Bango. Et moi, c'est des choses qui me touchent énormément. Et j'ai toujours dit que le travail que nous faisons ici, nous le faisons parce que vous existez, parce que vous êtes là sincèrement, la main sur le cœur. Je voulais vraiment vous demander merci. Merci pour vos nombreux appels. Merci pour vos nombreux messages. Merci pour vos encouragements, vos critiques aussi. Parce que bon, on se construit après ce genre de critiques, on se dit ça, on ne l'a pas bien fait, les téléspectateurs ou les amis n'ont pas aimé, il faut qu'on travaille pour améliorer la situation et c'est, ça nous booste, ça nous permet de nous remettre nous-mêmes en question et ça nous permet de vous servir. En tout cas, sincèrement, merci.
Merci de tout cœur. Merci énormément pour ce que vous êtes. Merci énormément pour ce que vous faites. Merci, 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 merci. Je tenais vraiment à vous dire la main sur le cœur. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et merci pour votre aimable attention. Nous sommes donc dans Décrit Info. Décrit Info, vous le savez, c'est un magazine où moi, M. Claude Perrault-Louara, je viens tout simplement donner mon point de vue par rapport à une question donnée, par rapport à une question d'actualité. Je le prends, je viens, je dis, écoutez, il y a ceci, mais voici ce que moi je pense. C'est un magazine d'opinion et nous sommes dans un pays de démocratie, soi-disant. La démocratie ne peut donc pas exister s'il n'y a pas la liberté d'opinion, s'il n'y a pas la liberté d'expression. Je suis ancré dans la démocratie, je crois à la démocratie. C'est comme ça que moi, ça me fait pas mal, parfois, d'entendre des critiques à gauche, à droite, parfois même des insultes, j'en rigole énormément. C'est comme ça, parce que je crois à la démocratie, et je vous ai dit la dernière fois que rester là et croire que on peut avoir une pensée unique, on peut créer l'unanimité par rapport à sa vision, par rapport à ses convictions, par rapport à ses opinions, c'est tout simplement être idiot. Parce que l'unanimité, même Dieu au ciel, il a été contesté à un moment donné. Lui qui a créé les cieux et la terre. Pour être conçu, j'ai donné cet exemple type-là, nous avons été contestés. Posez la question aux médecins, ils vous diront quand on parle du processus de la conception. On dit qu'il y a plusieurs spermatozoïdes qui se battent. Et le plus virulent, le plus rapide, c'est celui-là qui va féconder l'œuf, qui va féconder l'ovule. Et de cette fécondation-là, moi, Claude Perrault-Louara, je suis né. Déjà, quand je n'étais pas encore né, je n'étais même pas un embryon, on m'a contesté. Il y avait plusieurs spermatozoïdes qui devaient affecter l'œuf. Mais je ne peux pas aujourd'hui devenir président de la République, devenir journaliste, devenir musicien, devenir tel ou tel, et ne pas vouloir la contradiction. C'est être idiot, tout simplement. Un de mes téléspectateurs m'a appelé pour dire que c'est dur, mais je ne trouve pas d'autres mots. Sincèrement, je ne trouve pas d'autres mots pour essayer d'expliquer mon sentiment. Moi, je trouve vraiment que les sentiments et l'expression qui expriment le mieux les sentiments que j'ai par rapport aux gens qui voient les choses comme ça, c'est l'idiotie. Donc voilà, ici, c'est pas une parole d'évangile, c'est tout simplement ma vision de la vie, mon opinion sur des questions majeures d'actualité dans mon pays. Je voudrais vous demander deux, trois choses, vous savez de quoi il s'agit. La première des choses que je voudrais vraiment la mettre sur le cœur vous demander, s'il vous plaît, chers compatriotes, chers téléspectateurs et téléspectatrices, abonnez-vous à ma chaîne. Je regardais encore en venant, en montant sur ce plateau, nous sommes à 84 500. Beaucoup de plaisir, parce qu'on était à 84 400, c'est que vous continuez à vous abonner. Si vous pensez vraiment que vous m'aimez, si vous voulez m'apporter un soutien, n'arrêtez pas, s'il vous plaît, continuez à vous abonner. J'ai reçu un message d'un abbé, je voudrais d'ailleurs le saluer ici en direct, ça m'a vraiment touché, et je crois que je vais peut-être le retrouver. Ça m'a vraiment... Il m'a écrit d'Afrique du Sud. Ah là là, je ne le retrouve plus malheureusement. Je crois que... Il m'a écrit d'Afrique du Sud. C'est un prêtre, un abbé. Il m'a dit, Perrault, écoute, le travail que tu fais est tellement important. Moi, je suis prêtre ici, en Afrique du Sud. J'aime tellement ce que tu fais qu'un jour, j'ai demandé à mes paroissiens sud-africains de pouvoir s'abonner sur ta chaîne s'ils m'aimaient. J'ai dit, comment vous pouvez faire ça? Il dit, oui. Ils ne comprennent pas les Lingala, ils ne comprennent pas les Français. Je leur ai dit à la paroisse, prenez cette chaîne ici, allez vous abonner pour soutenir ces messieurs. Il fait un travail remarquable dans mon pays. J'ai eu des larmes aux yeux. Monsieur l'abbé, je ne vais pas citer votre nom ici, peut-être pour ne pas vous insécuriser ou vous créer des ennuis, parce que dans ce pays-là, on crée des ennuis et des problèmes aux gens même pour rien. Mais vraiment, je voudrais ici vous témoigner ma gratitude et vous dire très sincèrement merci. Monsieur l'abbé, vous allez certainement vous reconnaître. Merci vraiment de cette marque de sympathie et d'amour à mon endroit. Ça, c'est énorme. J'étais fier de moi. J'ai dit, oh là là, oh là là. Je ne savais pas que j'avais... Je disais autant de choses qui vous faisaient du bien. Et c'est bien. Ça fait plaisir. Et
ça te fait tenir devant les difficultés quand tu as des messages comme ça, quand tu te dis non, non, tu te bats pas pour rien, frère, tu souffres pas pour rien, frère. Il y a des gens qui croient en toi, continue encore. Donc, je voulais vraiment saluer cet abbé-là. Donc, abonnez-vous. C'est une marque d'amitié, une marque de confiance que vous faites à mon endroit. Deuxièmement, likez la vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. C'est un geste aussi simple que ça, mais qui nous permet tout simplement de nous mettre à l'abri de certaines choses. Et puis, troisièmement, appelez notre amie Judith Londolé-Betoko Betokos. S'il vous plaît, appelez Judith Londolé-Betoko. Judith, c'est notre partenaire très, très, très privilégié. Judith Londolé-Betoko. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux en train de dans les bruits, comme vous dites aussi, dans les bruits, parce que sa famille est là-bas. Je voudrais saluer d'ailleurs Magali, Fabrice, Lucille et tout ce monde-là. Je les ai vus en train de sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait. J'ai dit à mon partenaire est aussi dans les bruits. Ça fait plaisir. Donc, je salue ces gens-là qui sont à Paris, qui apportent un peu la gaieté et l'ambiance chez mon partenaire. Donc, si vous m'aimez, aimez la vidéo, partagez-la et surtout, surtout, appelez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Voilà, c'est qui Toko Bilamba qui Toko Yemoko qui Toko Betoko Lilo. Voilà, c'est qui Toko Bilamba qui Toko Yemoko qui Toko. Voilà, ce que j'avais à vous dire. Un autre téléspectateur m'a écrit pour me dire, Perrot, sincèrement, moi j'en ai marre de ton histoire de parler tout le temps de l'Est et de la République. On en a longuement discuté. Il me dit, bon, puisque ça nous prend 5-10 minutes, je te propose de faire tes appels à côté des 5 minutes. Et quand tu viens d'en décrire faux, tu rentres directement dans les formations. Mais il y en a aussi qui m'ont appelé à Beni et à Boutembo pour me dire, non, Perrot, continue. En fait, vous avez remarqué que le décrire faux aujourd'hui, c'est plus d'une heure. C'est maximum, minimum 50 minutes. Parce que j'ai remarqué que les gens disaient non, mais tu parles peu, mais tu parles de l'Est et de la République, ça nous prend 10-15 minutes. Aujourd'hui, je fais de mon mieux pour que le décrit info soit minimum 50 minutes. Si vous doutez, allez vérifier. J'ai encore checké un peu ma chaîne avant de commencer. Mais si dans les 50 minutes, chers frères, nous parlons 10 minutes de la situation sécuritaire dans l'Est et de la République, tout en sachant que dans ces 10, 12 ou 15 minutes, on parle à peu près 5-7 minutes de l'Est, après le reste, c'est l'annonce. Et c'est la publicité de notre partenaire. Je ne vois pas d'inconvénient. Donc, vous avez à peu près une heure. Souffrez que je rétranche les 10-15 minutes. Donc, je vous laisse 45 minutes. Hein? On fait ça comme ça. Donc, je vous laisse 45 minutes où je ne parle que de l'émission. Mais les débuts, là, les remerciements, les salutations, l'Est de la République, à mon point de vue, c'est aussi important. Soyons tout simplement tolérants et voilà. Bon, écoutez, je vais parler 3 minutes pour vous rappeler tout simplement de la situation sécuritaire dans l'Est de votre pays. N'oubliez pas que ça continue encore à massacrer dans l'Est de la République. Ça tire, ça viole, ça pille et ça décapite. Ce n'est pas du tout normal. N'oubliez pas, les amis, que quel que soit où vous êtes et ce que vous faites, je voudrais vraiment que vous puissiez avoir une pensée pour votre pays. Je suis en train de travailler. J'ai suivi un frère, Fabien Kouswanika. Je l'ai suivi dire, il parlait du docteur Mukwege. Il dit que lui, Fabien Kouswanika, a donc décidé de ne plus afficher la posture des neutres. En fait, en réalité, c'est vrai que le journalisme prêche pour la neutralité d'une certaine manière. Je n'ai pas envie d'ouvrir la théorie ici. D'ailleurs, ici, nous sommes dans un magazine d'opinion. Et dans un magazine d'opinion, on ne peut pas être neutre en réalité. Un édito, c'est un genre où le journaliste vient de donner son point de vue. Alors, Fabien Kouswanika disait que il appelait les Congolais, si le Denis Mukwege devient candidat, que nous votions nous tous Denis Mukwege. Il a fait une sorte de bloc entre d'un côté Denis Mukwege et de l'autre Martin Fayulu, qui pour lui sont des gens qui ont les mains propres, tout ça. Il dit, si ce tandem-là se présente aux élections, lui va mouiller les maillots pour appeler les Congolais à voter. Moi, je n'ai pas encore des candidats, mais je me dis, ne fuyons pas les débats. Ne soyons pas, je ne sais pas moi, Denis Mukwege, s'il est candidat président de la République, à mon point de vue, ça sera un candidat de taille. Parce que j'ai vu qu'un léchage médiatique est déjà en train de s'organiser contre Denis Mukwege.
Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Denis Mukwege est une fierté pour nous tous. J'ai envie de commencer à réserver 3-4 minutes de mon émission seulement pour les défendre. Je ne peux pas m'expliquer que des gens qui n'ont rien fait de leur vie, qui passaient leur temps dans des bistrots et dans des cafés à Bruxelles, à Paris, qui se sont retrouvés pour la première fois dans un bureau à la présidence de la République ou dans tel ministère, des gens qui sont là pour piller, pour détourner, des gens qui mettent sur la table leur incompétence et leur jouissance, s'organisent pour venir, je veux dire, discréditer une fierté nationale comme Denis Mukwege. Je suis contre ces gens qui envoient leurs charlatans, qui envoient leurs communicateurs pour s'attaquer à Denis Mukwege. Un peu de respect, les amis, quand même. Moi, je veux bien qu'on ait la contradiction. J'ai vu les gens de l'UDPS, les communicateurs de l'Union Sacrée. Non. Un peu de respect. Mukwege était un professeur d'université réputé, un docteur respecté et réputé, prix Nobel de la paix, le seul que le Congo a jusqu'à aujourd'hui. Respectons quand même les valeurs que Dieu nous a mises sur notre sol. Si Mukwege est candidat président de la République, il est totalement différent de l'actuel président Tshisekedi, par exemple. Je parle de Tshisekedi, je ne voulais pas en parler, mais parce que ce sont ses communicateurs qui parlent. Est-ce qu'on peut comparer le docteur Denis Mukwege à Tshisekedi? Est-ce qu'on peut comparer ces deux-là? Est-ce qu'on peut comparer ces deux-là? Vous avez quelqu'un qui se retrouve miraculeusement et frauduleusement président de la République, qui, à part le poste de président de la République, ne peut pas vous dire qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a gagné dans sa vie. Il n'a pas réussi dans un domaine quelconque de sa vie. Et il se retrouve parachuté comme ça, président de la République. Et 4 ans depuis qu'il est là, il ne fait que vous démontrer son incompétence. Il déshabille l'État. Et vous voulez le comparer à un homme qui, parti de rien, a réussi à imprimer une marque de respect à travers le monde. Mukwege ne deviendra pas président de la République pour se retrouver. Il sait comment acheter sa chaussure, comment acheter la montre, comment acheter sa veste tout en étant pas président de la République. Qu'est-ce qu'il manque, ces messieurs-là? Qu'est-ce qu'il manque? Quand la médiocrité se lève pour insulter l'excellence, je me dis, mon Dieu, vraiment l'UDPS, les fatistes, je ne parle pas de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Je parle de ce que, comment il s'appelle Franck Diong appelle les fatichisekédistes. Vraiment, ils peuvent comparer Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine à Denis Mukwege. Ils peuvent se permettre, en défendant Félix Tshisekedi, et avoir le droit d'insulter Mukwege. Non, frère. Non. Mais non, monsieur Zablo Rossalaté. Alors j'ai été heureux de voir Fabien et dire sa vérité. Il dit désormais, oui, moi je t'encourage Fabien, moi j'attends que les candidats sortent, j'attends que tous les candidats puissent afficher leurs ambitions. Je ferai un choix et je viendrai vous dire, voici le choix de Pérou Louara. Je vous appelle à voter ce choix ici pour ça. Ce qui est sûr, même si pour le moment je n'appelle pas encore à voter qui que ce soit, mais ce qui est sûr, que si Félix Tshisekedi est candidat président, je battrai campagne contre Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous l'ai dit. Quand la République est en danger, il n'y a plus de neutralité. Quand la République est en danger, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus d'avocats, il y a à sauver la République. Et Tshisekedi Tshilombo est un danger pour la République. Est un danger pour la République. Je battrai campagne contre Félix Tshisekedi. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que Tshisekedi ne puisse plus avoir un mandat. Ce monsieur, chaque seconde, chaque minute qu'il passe à la tête de notre pays, nous met en danger, Congolais. Je battrai campagne contre ce monsieur-là. Et je le fais déjà. Il est indigne. Il a déçu nos espoirs. Il a échoué. Regardez, il nous a fait perdre 5 ans comme ça, 5 ans. Et vous voulez encore qu'on redonne... Non, les amis, non. Que le candidat se présente. Que le candidat se présente. Mais si Mukwege pose sa candidature, je serai heureux.
Parce que j'estime que Mukwege a des potentialités, a des capacités pour diriger ce pays-là. Pour donner à l'État ses lettres de noblesse. Et ben voilà. Voilà donc. Retenez que dans l'Est de votre pays, il y a des problèmes. Prions pour le Congo, prions pour l'Est de la République et travaillons pour que la paix revienne. Voilà ce que j'avais à dire. Les amis, laissez-moi venir à mon sujet du jour. Je suis malheureux que depuis un temps, ne tombe sur ma table que des scandales et des scandales financiers. Aujourd'hui, je voudrais donc parler de ces nouveaux scandales au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je finirai, j'espère que j'aurai le temps, pour évoquer aussi la situation des élections qui semblent de plus en plus hypothétiques. Si vous lisez cplnews.net, je vous dis toujours, nous avons un site d'information qui s'appelle cplnews.net. Je vous prie, chaque matin quand vous vous réveillez, jetez un coup d'œil parce qu'il y a aussi des très bons articles d'information là-dessus. J'ai relayé cette information là-bas et je voudrais qu'on les partage ici. Les amis, il y a un problème, il y a une sorte de schisme, un conflit, des frustrations qui sont nées d'un traitement inégal entre d'un côté les sénateurs et de l'autre les députés nationaux. Les sénateurs qui sont en vacances, de même que leurs collègues députés nationaux, ils se plaignent et ils se disent frustrés d'un traitement inégal du régime Tshisekedi par rapport à ce qui est donné à leur collègues de l'Assemblée. Soit dit en passant, cette situation, moi, m'attriste parce que je me rends compte que toutes les sirènes, tous les chants qu'on nous lance ici, soi-disant réduction des trains de vie des institutions, c'est tout simplement des faussetés. En réalité, il y a un grand écart, une grande marge entre ce que M. Tshisekedi a dit et l'exécution de sa politique. Comment on peut expliquer qu'un homme qui dit qu'il est venu pour réduire les trains de vie des institutions, on nous dit qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Les députés nationaux de la République démocratique du Congo touchent à l'heure où nous parlons 22 000 $ américains. Ils touchent 21 000 $américains, je vais dire. Je vais vous donner des explications. Comment on peut expliquer que l'on s'est dit chantre de la réduction des trains de vie des institutions? Tu sais qu'il y arrive. Il trouve Kabila en train de payer les députés nationaux moins de 10 000 $, entre 8 et 9 000 $. C'était moins de 10 000 en tout cas. Mais Tshisekedi multiplie fois deux les émoluments des députés. Aujourd'hui, les députés nationaux touchent 21 000 $américains. Au-delà de ces 21 000 $américains, chers compatriotes, les députés membres de l'Union sacrée ont une prime de 1 000 $ à chacun qu'on leur donne pour leur fidélité et leur appartenance à l'Union sacrée. Ça leur fait 22 000 $américains. Au-delà de ces 22 000 $américains par mois, il y a une autre catégorie de députés, membres de ce qu'ils appellent Dynamique Mbosso, qui eux ont une autre prime de 5 000 $américains. Mbosso a fait un cartel au sein de l'Assemblée nationale d'un groupe de députés qu'ils appellent les députés membres de la dynamique. Ils leur donnent chaque mois des primes de 5 000 $ et ça leur fait 27 000 $américains. On est dans quel pays, frère? On est dans quel pays? Un ministre, le ministre actuel, quand Kabila est parti, moi j'étais très proche de mon ami Papi Nyango, ministre de la des sports. Il touchait 11 000 $américains. Papi Nyango, ministre, le ministre touchait 11 000 $ à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, le ministre a plus de 40 000 $. Je parle de 40 000 $. Venez me contredire. Mettez les billets sur la table. Le ministre touche 40 000 $, plus de 40 000 $américains. Mais on est dans quel pays? Et c'est cet homme-là qui vient vous dire qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Tu sais qu'il nous prend pour des imbéciles. Congolais, le président nous prend vraiment pour des idiots, pour des imbéciles. Il vous prend pour des imbéciles. Les députés, 21 000 $ des émoluments, 1 000 $ des frais, des primes, primes, il y a Union Sacrée. À côté de cela, Bazan a 5 000. Cette
politique là, dynamique mbosso. En fait, tu le retrouves aussi dans les assemblées provinciales. Quand tu pars, par exemple, au niveau de l'assemblée provinciale de Kinshasa, il y a un groupe de députés provinciaux, membres de la dynamique Ngobila. Ngobila a mis en place une autre dynamique qui s'appelle dynamique Ngobila. Ces députés provinciaux-là, ils sont au-delà des 40. Ils touchent au-delà de leurs émoluments de 8 000 $, 3 000 $ à chacun. 3 000 $ à chacun. En fait, c'est une sorte de corruption pour que ma députée basse à la motion contrariété. Et Mbosso aussi a reproduit cette situation-là au niveau de l'Assemblée provinciale. Il a créé un cartel de députés. Ma députée, membre de la dynamique, Christophe Mbosso, à qui il donne à chacun 5 000, 5 000. Donc, tout compte fait, les députés là, bah, aura 27 000 $. Je parle de 27 000 $ américains. Et je vois les gens en train de se... Oh, Tokutaka va enseigner, bah, j'aurai 150 000, enseigner à combien à 300 000. Oh, Tokutaka... Beaucoup de députés, à 8 000, 9 000 $. Vous pensez que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vous leur donnez 21 000. Beaucoup de ministres, à 11 000. Aujourd'hui, ils sont à plus de 40 000 $. Basala kanini, bandeko. Basala kanini. Dites-moi. Basala kanini. Qu'est-ce qu'ils font, les amis? Basala kanini. Qu'est-ce qu'ils font? Et on vous dit que dans le budget de l'État, plus de 60 ou 70% réservé à la rémunération et à fonctionnement des institutions. Comment vous voulez que le monde entier puisse nous prendre au sérieux? Un pays à problème comme celui-ci, qui s'octroie les luxes de gaspiller de l'argent comme ça. Quand on va leur parler de l'eau, la régie des eaux a des problèmes d'intrants, mongwezate. Quand on va leur parler de l'électricité, il y a des problèmes de câbles, mongwezate. Mais quand il faut donner des cadeaux à ces députés qui touchent presque 27 000 $, on leur donne des jeeps. Jeeps mongwezo coûté combien? Mais à cet enseignant, il se tape la poitrine, tout comme si il y en a 300 000 francs congolais. C'est pouvoir de prédation a tout simplement enterré les espoirs des Congolais. Et Tchène Tshisekedi Mulumba est en train de se retourner dans sa tombe. Le peuple d'abord n'existe plus, les amis. Là, c'est le profit, c'est les avantages. La prédation a été installée en système de gouvernance. Vous envoyez les enfants des gens dans le fond. Combien on leur donne? Combien ils payent un militaire? Combien ils payent un policier? Tshisekedi a trouvé les députés nationaux à 9 000 $. À commission, on a 22 000 $. N'a 100 000. Botounaye. Est-ce que le président de la République peut nous dire qu'est-ce qui justifie cette augmentation-là? Vous trouvez les députés que Kabila payait entre 9 000 et 10 000, donc moins de 10 000 dollars. Vous venez, vous dites, je parle de la réduction des traits de vie des institutions. Vous prenez ces députés-là, vous leur donnez aujourd'hui 21 000 dollars des émoluments, un député national, 21 000, 1 000 dollars de primes pour les députés de l'Union Sacrée. Ça fait 22 000. Et Mbosso lui aussi vient donner une autre prime. Député, membre de la dynamique Mbosso, 5 000 $. Ça lui fait 27 000 $ américains. Et c'est celui-là qui vient vous dire qu'il veut réduire les trains de vie des institutions. C'est celui-là. Posez-lui la question, depuis qu'il est là, combien de bottes il a acheté pour les militaires? Combien de tenues il a acheté pour les militaires? Combien de cartouches? Combien des armes? Ça, il n'y a pas l'argent. Mais il y a l'argent pour acheter les consciences des gens. Tout ça, c'est pour acheter les consciences des gens. Mais ce n'est pas tout. Avant le départ des vacances parlementaires, ils ont donné à chaque député national 63 000 dollars. Venez me contredire. Parce que j'ai vu quelqu'un dire, est-ce qu'il a amené des preuves de ce qu'il dit? Est-ce qu'il a... Mais, les amis, avant les vacances parlementaires, les députés que vous voyez là, chacun a touché 63 000 dollars américains de primes de vacances parlementaires. Vous avez de l'argent à gaspiller, vous. Hein? Baza 500. 63 000 dollars à chaque député. N'est-ce pas? Au moins, il y a un poto. Vacances parlementaires, au bénis-moi 63 000. Oh, en États-Unis. Oh, yo boy. Oh, yo boy. Azana Jeep, Azana Nus. Bakéi. Bakéi, ma poto. Mais qu'est-ce que nous voulons exactement dans ce pays? Dites-le-moi. Qu'est-ce qu'on veut? On paye en bata 200 000 dollars américains des émoluments. 200 000. Plus 100 000 de primes. Plus 500 000
que Samalou Kondé lui donne pour gérer les députés. On est où là? Monsieur le président de la République, c'est quoi ça? C'est quelle république que Tshisekedi est en train d'installer dans ce pays-là? C'est quelle république? Vous avez insulté Kabila, vous avez parlé. Mais venez, faites les changements. Vous faites pire que Kabila, le gars. Vous faites pire que Kabila. Vous faites pire que Kabila. Mboso. Mboso, chaque fin du mois, il a entre ses mains pas moins de 3 millions de dollars. Mboso que vous voyez là. J'ai les chiffres. 3 millions de dollars que Mboso reçoit pour se distribuer. 3 millions de dollars. Mboso. C'est comme ça que vous voyez ce vieux papy. Il a perdu la raison. Le loligamino surtout pour le bayati. C'est qu'il dit Ekopé sa Ekanda. On lui donne comme ça 3 millions de dollars. Je parle de 3 millions qui atterrissent gratuitement comme ça sur la table de Mboso. 3 millions de dollars. Qu'est-ce que Mboso fait pour mériter cet argent-là? Dites-moi. Il y a un moment où il y a un Yombo, via Zongi Jeune, via Zongi... Le Losoro Lobili Gambachi, c'est qu'il y a Mboso qui a Simba la Bilamba. Mboso qui a Simba la Bilamba. Je vais résumer. Avant de progresser, prenez vos carnets. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, centre mensonger de la réduction des trains de vie des institutions, il vous ment. Il a trouvé les députés nationaux payés 9 000 dollars, à peu près 10 000, entre 9 et 10 000 dollars à l'époque de Kabila. Félix Tshisekedi paye aujourd'hui les députés nationaux 21 000 dollars. Congolais, 21 000 dollars. Ces députés reçoivent 21 000 dollars par mois, démoliment. Ils ont une prime de 1 000 dollars qu'on donne à chaque député de l'Union Sacrée. 1 000 dollars. Ça fait 22 000. À côté de ces 22 000, il y a une autre catégorie de députés, membres de la dynamique Christophe Mboso, à qui le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, donne 5 000 dollars. C'est une sorte de cartel pour les protéger. Ça vous fait 27 000 dollars. Que tu sais qu'il dit, laisse faire. Et lui, il vient, il vous dit, réduction des trains de vie des institutions. Avant les vacances parlementaires du mois de juin, Tshisekedi a donné 63 000 dollars comme prime de vacances à chaque député. 63 000 dollars. Ils sont 500 bazois. 63 000 la moto. Il y a un paquet en vacances parlementaires. Lui, Tshisekedi, viens vous parler de la réduction des trains de vie des institutions. Viens vous parler. Il a trouvé un ministre de la République. Il touchait 11 000 dollars. 11 000 à l'époque de Kabila. Un ministre. Aujourd'hui, nous parlons. Un ministre a plus de 40 000 dollars, tel que vous les voyez là en train de rouler dans des jeeps. Ils ont plus de 40 000 dollars. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire, monsieur le président de la République? C'est quoi ça? Et il vous dit qu'il a trouvé un enseignant à 150 000, à comme si on a 300 000. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que dans un pays des gens logiques, des gens normalement constitués, on peut assister à une cette telle... Donc, tu sais qu'il est là? Il ment qu'il fait la réduction des trains de vie des institutions et pourtant il achète des consciences des gens avec l'argent. Avec l'argent. Et vous voulez que ce type, un homme comme ça, puisse encore avoir un autre mandat. Là, il nous a déjà enterrés. Sauf que Bakissi Lissou soit à deux jours à cause de Zipabiso m'a belé à Tchè Béton, à Zongi Bruxelles. Il nous amène dans l'abîme, les amis. Et ils viennent nous mentir ici. Non, le budget a été multiplié fois 2, le budget a eu 4 milliards et commis 10 milliards. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est comme ça qu'on dépense l'argent de votre pays, les amis. Les gens se les distribuent comme des petits pains. Et cette situation crée un malaise au sein du Parlement. Pourquoi on crée un malaise? Parce qu'en réalité, les sénateurs n'ont pas le même traitement que les députés nationaux. Là où un député national touche 22 000, un sénateur touche 11 000. Et les sénateurs, avant les vacances parlementaires, ils ont convoqué en urgence, quand ils ont appris que les députés avaient touché 63 000 dollars à chacun, convoqué plénière à huis clos pour poser la question à Bahati Lukwebo. Ils disent à Bahati, mais ils ont présenté ce faux sale. Donc, ils coupent une mafia.
bah Pablo Escobar, bah Fandi, bah on s'est retrouvé. Donc le problème du peuple, ce n'est pas leur affaire. Il faut leur poser la question depuis qu'ils sont là-bas, quelles sont les lois qu'ils ont votées en faveur des peuples. Bazawana, bah viens dans Molier, Nebalemba, tout ça. Qu'est-ce que vous faites pour le peuple? Rien. Les sénateurs ont posé la question à Bahati. Comment est-ce qu'eux, ils ont été... Mais écoutez la réponse de Bahati. Bahati dit au Sénat, Bahati Lukwebo, il répond au sénateur que les députés ont ces avantages-là parce qu'ils ont une arme de pression contre le gouvernement, c'est la motion de défiance et la motion de censure. Le gouvernement et le pouvoir a peur d'eux à cause de ces deux leviers-là. Nous n'avons aucune arme de pression. Et ça a créé un scandale au Sénat avant vacances parlementaires. Donc, ils ont peur des députés, selon Modeste Bahati. Il y a un peu de 63 000, il y a un peu de salaire à 22 000. Zambalola. Zambalola. On a peur des députés à cause des motions de défiance et des motions de censure, mais on n'a pas peur du peuple. On n'a pas peur du peuple qui fait de soi président de la République. Et les sénateurs sont frustrés. D'ailleurs aussi au Sénat, ils se plaignent parce que Bahati Lukwebo a installé un régime familial là-bas. À l'heure où nous parlons, j'ai des réclamations des administratifs du Sénat. Bahati a amené plus de 100 personnes de l'AFDC qu'il a mis dans l'administration du Sénat. Il n'y a plus de chaises là-bas. Administration Sénat place aux fans des athées. Qui t'es athée? Mais t'es athée. A vu 100 militants, il y a AFDC. Aïe na bangwa tibangwan. Il les a fait engager là-bas. Et au niveau du bureau, les sénateurs le disent. C'est la famille Bahati qui règne. Il a deux enfants, Serge Bahati et Francine Bahati. L'un est chargé des missions, l'autre est conseillère financière. Tous sont des enfants de Bahati. C'est eux les intouchables là-bas. Moutoua l'obé l'autre côté. Sénateur aux Alaïlouba-Loubaté. La famille d'abord. Ça, c'est le régime de l'UDPS. Ça, c'est le régime de l'Union Sacrée. Quand on leur dit ça, ils montent sur le créneau pour vous dire c'est un haineux. C'est un haineux. Les amis, est-ce qu'on peut comprendre ça? Sincèrement, je vous regarde en face. Posons-nous la question. Est-ce que ça s'explique? Qui peut me donner une explication à de tels agissements? Qui peut m'expliquer ça? Donnez-moi une explication. Vous, de l'UDPS. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça s'explique, les amis? Un régime de scandale. Depuis qu'ils sont là, ils vont de scandale à scandale. Oh, on a écouté un scandale. Sans souci, on est bon. On est sur un scandale, t'es là, sans souci, mon nom. Paix à son âme. Bascando. T'es comme un bascando. Mais vous allez arrêter tout le monde, monsieur. Vous allez arrêter tout le monde. Ce n'est pas pour ça que nous, on a soutenu l'UDPS. J'ai vu qu'ils sont en train de sortir en cascade mes anciennes vidéos où je parle de Tshisekedi. Il y en a des centaines. Moi, j'ai soutenu le régime de Tshisekedi. Moi, Claude Perouloir. Aujourd'hui, on dit Katumbi Asokopesaye Mbongo, qui est derrière lui. Posez la question à Tshisekedi, il est président de la République. Quand je disais Tshisekedi, séparez-vous de Kabila. Kabila a détruit ce pays. Quand je plaçais l'espoir sur Tshisekedi, j'appelais les Congolais ici à soutenir Tshisekedi. Posez la question à Tshisekedi. Il est vivant, il est président de la République. Il me donnait combien? Il me donnait combien? Parce que tout tourne autour de l'argent avec vous. Posez la question à Tshisekedi. Il est là. Mon plateau était transformé en plateau de soutien parce que je croyais en lui. Derrière lui, je voyais son père, Etienne Tshisekedi de Wamulumba, cet homme qui a porté nos espoirs, qui avait une certaine vision pour ce pays, l'état des droits, un état dans lequel les hommes sont égaux, un état dans lequel tout son travail pour ériger une société des valeurs, une société où les écrits, les textes, les principes, le droit prennent le pas sur les individus. Où on n'est pas protégé parce qu'on est famille de, on est fils ou fille de, on est protégé parce qu'on est dans la légalité. Je croyais en lui, je ne refuse pas. Vous perdez le temps, sortez des vidéos si vous voulez, je peux vous en donner, j'en ai des centaines.
dans lequel je m'attaque à Kabila, je m'attaque à Fayoulou, je les assume, toutes mes vidéos, je les assume. Je les assume, toutes. Mais je me suis rendu compte que cet homme ne mérite pas le soutien des Congolais. Il n'est pas à sa place. Il n'a pas les compétences requises pour changer mon pays. Et je le disais d'ailleurs quand je le soutenais, j'ai dit, monsieur le président, après la rupture avec les Kabila, moi je vous propose de faire un format. Ne recevez pas les gens n'importe comment. Vous devez faire, il faut formater Batumitu. Il faut créer la frontière entre les anti-valeurs que les gens ont critiquées à l'époque des Kabila et l'espoir que vous portez. Nous devons mettre les limites, nous devons mettre des barrières. C'est ce que je disais. Mais là, je me rends compte que c'est le pouvoir pour le pouvoir. Au fait, l'idéologie de Tshisekedi et de sa famille et de ses proches s'inspire de Mobutu. En Belgique, Félix Tshisekedi a souffert. Tant que nous avons mandé Mobutu, ba Kongolo, ba Zoya, ba Osomba, ba veste, ba chaussures à Minene. Il voulait ressembler à ces gens-là. Mais là qu'il est président de la République, eux tous ils sont en train de récupérer Bilokwana. Monte à 300 000 dollars, chaussures à 15 000. Donc, tu. Boyé, ce sont des Mobutistes. Leur référence, c'est ce que les enfants de Mobutu faisaient. Ils sont en train de rattraper le retard, de récupérer tout ça. Et vous voulez qu'on puisse continuer à soutenir un régime comme ça? J'ai dit, niet, monsieur. Niet. Il est hors de question. C'est néo-Mobutisme qui est installé au sommet de l'État. Où un président de la République peut descendre de son piédestal pour aller répondre à une vieille maman de 70 ans. Pour soutenir en haut, sortez les vidéos, encore et encore, j'en ai beaucoup. Si vous êtes en rupture de stock, j'ai mes anciennes vidéos en stock. Je peux vous les balancer moi-même. Je les assume les unes après les autres, je les assume toutes. Mais la honte que vous faites au sommet de l'État mérite que les Congolais épris de paix qui aiment leur pays vous dénoncent. Et j'en suis, je fais partie de ces Congolais. Je vous dénonce, vous êtes un pouvoir de prédation. Vous êtes une malédiction pour mon peuple, une malédiction pour mon pays. Vous n'êtes pas à vos places. Vous faites la honte de toutes les personnes qui ont cru en vous. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit, je l'assume. Et je vois quelqu'un dire, ça c'est quel genre journalistique? Ça c'est, il y a autant de journalisme. Viens, on va discuter. Moi, j'ai un diplôme de licence en journalisme. Je suis licencié. J'ai un diplôme de licence. J'ai un diplôme de licence en journalisme. Je suis licencié en journalisme, moi. Ndéna Fandia. Ça, c'est quel genre de journalisme? Quand ça s'est fait à Paris, vous allez applaudir. Je vous ai donné l'exemple ici, non? Quand j'ai parlé des libidos ici. Quand Paris match, canard enchaîné ou je sais pas moi, libération ou quoi, vous faites des révélations, bah, Emmanuel Macron, là, il casque, il coule à scooter, alors que notamment la moitié n'a eu Julie Gaillet, vous applaudissez, ah, ça c'est des bons journalistes, ah, bah, ça, bah, journaliste professionnel, il cherche l'information. Quand New York Times publie l'article sur Bill Clinton avec son assistante le Monuski, vous applaudissez. Oh, bah c'est la mission va s'arrêter de l'autre côté. T'as la Awakutu va se rouler au Makamba président, président Zandumba. Il faut même des révélations que certaines relations intimes. T'as mission va s'arrêter qu'on a na bureau ovale. Là, tout le monde était content. Mais quand moi je viens parler des libidos, on dit oh, oh, il a parlé de la vie privée. Attendez, oh, ça c'est du journalisme. C'est du quoi? C'est du quoi? C'est du quoi? Encore que moi je n'ai même pas fouillé, on m'a offert ça sur la table. Quand moi j'en parle, parce que je m'appelle Perrault Louara, je suis nègre. Vous allez dire, ça c'est du journalisme. C'est quel genre journalistique? C'est que Paris Match a fait là-bas. C'est que Kahanar Enchaîné a fait. Non, ça c'est du journalisme parce que ce sont des blancs. C'est que New York Times et les autres là aux États-Unis, quand ils ont parlé de l'infidélité de leur président, dans cette histoire de Monuski, si c'est Monuski, là c'était du journalisme parce que ce sont des blancs. Ce n'est plus du journalisme, mais quand c'est Perrault qui en parle,
C'est complexe là, moi je n'ai que faire de ça, moi. C'est complexe là, moi je n'ai que de faire de ça. Ces gens ont tout simplement déçu nos espoirs, les amis. Ils ont déçu nos espoirs. Ils sont réfractaires de la vérité. Ils ne veulent pas qu'on leur parle, qu'on leur dise la vérité. C'est ça leur problème. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils sont allés prendre un premier ministre amorphe. Un premier ministre de protocole. Bake Bazu Dani Banza, il prend son ombre, il amène Bake le premier ministre. Samaloukonde. Parce qu'ils ne veulent pas que Bassa Bangombrage. Et ils ont pris tous les pouvoirs. Ils ont dépouillé M. Samaloukonde de tous ses pouvoirs. C'est la présidence qui fait les projets, c'est la présidence qui cherche l'argent. Dans un état de droit, vous avez vu des programmes du gouvernement être présentés, être défendus, financés, tout dirigé par la présidence de la République. Mais attendez, vous êtes dans quel pays? Ils peuvent-ils vous apporter les textes qui disent « Oh, projet 100 jours du président de la République, projet Chile. » Est-ce que dans ce pays-là, le projet de politique publique de l'État, c'est le président de la République qui le mène? C'est le président. Et vous avez un premier ministre faible qui n'est là que pour le besoin de la forme. Là, on me dit qu'ils sont en train de préparer un remaniement. On va enlever 20 ministres, 19 ministres. On va changer d'autres. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Les gens meurent dans l'Est de la République. Il y a des problèmes. Un premier ministre à fond qui ne dit rien, qui ne fait rien. Il est là par formalité, par formalisme. Et il s'organise pour prendre de l'argent de la République. 500 000 dollars qu'il donne à Mbata pour que Mbata lui gère les députés, va déranger été. Et il s'organise pour donner plus de 3 000, environ 3 millions de dollars à Mbosso pour... Attendez, nous en avons marre avec vous. Tolimbi. Tolimbi Bino. Nous en avons marre. C'est insupportable. C'est... Bandego, au fond de la belle, moutez mes Mathieu, comment on dirait, paie mes Katanayo. Mr. Jason, j'ai déjà fait combien de minutes? Oh, on est fait mes Katanayo. Ah bon, je suis déjà 49 minutes. Au moins, il y a un binôme qui décrit, ça n'a pas moins de 50 minutes. Et pourtant, je voulais parler aussi de cette histoire des élections. Bon, on va renvoyer ça peut-être pour les décrits prochains. C'est tout simplement anormal. De peu, nous devons aimer ce pays. C'est le seul bien commun que nous avons. C'est le seul héritage que nous avons hérité de nos parents, de nos pères. Vous n'allez pas installer un régime de prédation où les peu qui restent là, vous prenez. Vous achetez des maisons à Dubaï, à Paris, à Bruxelles. Vous installez une bourgeoisie comprador autour de vous. Vous centralisez. Vous avez un regard nombriliste. La vie ne tourne qu'autour de vous. La vie ne tourne qu'autour de vous. Vous donnez 3 millions de dollars à Mbosso. Ah, ça, non, on y. 3 millions de dollars, vous donnez à Mbosso. Pour que Mbosso en fasse quoi? Quand on sait que la régie des eaux n'a pas d'intrant, est-ce que vous vous rendez compte? La régie des eaux n'a pas d'intrant. Batoubaro met la maille à salité, maille à rouge. Mais vous concentrez les richesses de la République, vous prenez l'argent du trésor public, vous les gaspillez comme des petits pains pour acheter les consciences des gens. Pour acheter les consciences. Nayo Kiawat. Oh. Babo, Babengani Zoé. J'ai vu les gens me dire. Il faut quand même pas nous dire que tu es en train de défendre les Kabila, mais non. Il faut quand même pas nous dire que tu es en train de défendre les Kabila. Moi, je ne défends pas les Kabila. Vous voulez que je vous dise? J'ai toujours dit que Kabila était un mauvais président. Est-ce que j'ai changé d'avis? Vous m'avez vu venir ici dire désormais Kabila était un bon président. Non. J'ai dit Kabila a été un mauvais président, mais par rapport à celui qui est là, celui-là, c'est le pire. Nous nous sommes trompés. Il vaut mieux Kabila que Tshisekedi. Je vous dis et je vous le répète. Si Kabila était le mauvais président, Tshisekedi est le pire.
Le droit des personnes, qu'il soit Zoé Kabila, qu'il soit Jeannette Kabila, qu'il soit... Moi, j'ai fait la guerre à Jeannette Kabila quand je n'étais pas payé à Digital Congo. Il vous souviendra. Il était la sœur de Joseph Kabila. J'étais président de la délégation syndicale de Digital Congo. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Vous vous réveillez, vous violez les droits de Jeannette Kabila. Vous me dites, yoro le mamaramba, Jeannette Kabila, t'es pour Jeannette Agnokola. Non, le droit, c'est les droits. Même quelqu'un qui tue, il a des droits. Il a des droits. Il a des droits. Vous chassez Zoé de sa maison. C'est bien. Celui de la maison là. Est-ce que vous avez respecté les droits de Zoé? On ne peut pas violer les droits de Zoé, venir casser la maison avec des bataillons de militaires parce que c'est le frère de Kabila. Ça, on ne peut pas vous laisser. On ne peut pas vous applaudir. Nous, on n'a pas applaudi l'arrivée de Tshisekedi pour revivre ça. Même si vous dites, et Kabila Yemora Sarakian. Mais ce Kabila Sarakian, pour reproduire ce que Kabila a fait. Puisque vous parlez des maisons de l'État, récupérons toutes les maisons de l'État. Récupérons. Vous voulez dire que ces régimes des jouisseurs, depuis qu'ils sont là, il n'y a personne qui vit dans des maisons de l'État? Félix Tshisekedi lui-même, la maison de Limité, est-ce que c'était la maison que son père a payé avec l'argent? Parlons-en. Parlons-en. La maison de Limité, ce n'était pas une maison de Air Zahir. Kétien Tshisekedi a récupéré dans les cas d'Ablo Rabazé-Namramamobout. Il a grandi dans une maison de l'État. Est-ce que Tshisekedi avait acheté cette maison? La maison qu'ils ont sur les boulevards, est-ce que c'est la maison de Tshisekedi? Lui, il était directeur de ENDA, École Nationale d'Administration, si je ne me trompe pas. Mais cette maison-là, c'était la maison de ENDA. La maison qu'ils ont, Tshisekedi et Tien avait à Gombe. Et il n'y a pas ENDA. Et il n'y a pas l'État. Vous allez crier comme ça. Récupérons toutes les maisons de l'État. Tout récupérer. Regardez ceux qui sont arrivés de Bruxelles, de Paris. Les Chekouleurs qui sont arrivés en cascade. Ils ont fait d'avoir. Non seulement qu'ils vont faire la bandeur à l'État, mais ils arrachent même des pauvres messieurs. Il y a aujourd'hui un cercle autour de la présidence, des gens qui sont là pour arracher des maisons des gens. Le problème, ce n'est pas Zoé, le problème, c'est les droits. Vous venez vous torpiller les droits des gens, on vous dénonce. Vous-même, vous reproduisez pire que ce que vous avez critiqué. Balobate. Oh, tu deviens. Oh, combien avocat macabiliste? Oh, bossani, macabujane, ta salarayo. Oh, bossani. Ah, oui. J'assume ce que j'ai dit sur les Kabila. Je l'assume. Ce n'est pas parce que j'ai eu main à partir avec Jeannette qui était responsable de Digital Congo parce qu'il ne m'a pas payé que je vais laisser aujourd'hui voir les droits de Jeannette Kabila ou de Zoé être violés. Pour moi, nous devons construire des sociétés basées sur le respect des principes, sur les valeurs. Et les principes, quand ils sont bafoués, ils n'avaient pas ma Kabila, ils n'avaient pas ma Tshisekedi. Les hommes d'État dénoncent ça. Vous n'avez pas à dire. Alors, comme, non. Sur les amandards à l'État. Toi, bon, toi, l'amandard, on est sur toi à l'État. Tshisekedi, Félix, à quoi l'amandard à l'État? Papa n'a pas son mandat à côté. Banda quoi, banda à l'État. À quoi le mandat à l'État? À quoi le mandat à l'État? Tout botola. Et je vous dis que baso botola banda gabatu. Banda ba yé wana musa baosa ko botola banda gabatu. Baso l'élisa ba maman. Le régime ici. Ils avaient un procureur à la Gombela. Sur ba botola nda kubake. Mais il s'élève aujourd'hui pour dire Zoé, je suis d'accord. Si la maison n'appartient pas à Zoé, que l'État récupère son bien. Mais même avec un criminel, il y a une procédure établie. Ne violez pas les droits des gens. Appliquez la loi en respectant la loi. Des anciens donneurs de l'essor à Kalao, comme vous voyez ça, la bouzo, les lois, bah, on va la bangoter. Ils vont vous sortir des vidéos. Si, j'assume. Moi, j'assume. Ils ont maman Kabila. Oui, mais ma camoufle, t'as ça là, yo. Échangez-t-il. N'ayez pas maman, ça là, y'en a. Mais ça ne donne pas droit à Félix de violer leurs droits. J'ai souffert de ça parce que c'était mes droits. Je sais, j'ai souffert de ça dans mon âme. Je sais ce que ça fait quand on viole vos droits. Et je n'accepterai pas parce qu'il s'appelle Jeannette, qu'il s'appelle Zoé, qu'il s'appelle Kabila, qu'il s'appelle quoi que ce soit, qu'on vienne, alors qu'on a prêché les changements, l'état des droits, qu'on vienne violer leurs droits. Sur Moutalobi, yo, bossanement, tout bossanité. Tshisekedi est pire que Kabila, il fait pire que Kabila. Si j'avais dit que Kabila est mauvais président, n'a changé. Kabila était un mauvais président, Tshisekedi est pire que Kabila. Pire que Kabila. Et chaque seconde qu'il passe à la tête de notre pays nous met en danger. Il faut s'organiser pour les chasser. Il nous a fait perdre 5 ans comme ça, gratuitement.
Et là, ils sont encore en train de s'organiser pour violer les lois, pour torpiller les lois, pour aller tricher, avoir un autre mandat. Régime de prédation, régime de la honte, les jouisseurs, les incompétents, les voleurs. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Kabound. Vous tenez la prison. Parce qu'il vous dit la vérité. Vous l'ingabez, ça veut dire la vérité. Tout ça, là. Et monsieur Sili, on se retrouve demain pour un autre numéro, les amis. Bonsoir chez vous. Commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.